Salut à tous les amis, c'est JeremTV et on se retrouve aujourd'hui pour le 9ème épisode sur Sniper Elite 4. La dernière fois on s'était arrêté, on avait tué le directeur du port. Là il nous manque plus que... Alors... on va tuer le char qui est là. Avant de faire ça, parce que en fait je me suis rendu compte que quand on fait les missions principales, et les secondaires... on peut pas faire les secondaires, donc on va les détruire le char qui est là. Parce que je sais comment les détruire. Alors là j'ai perdu des vies très bêtement. On va vite se soigner. Voilà. On va garder ça. Non, pas le sniper. Voilà. Ça charge. Ah ok, ça charge, ça bug. On va aller détruire le char, comme ça fait de l'XP, des missions. Et puis quand je finis les missions à 100%, je débloque des trucs apparemment. Donc on va au moins en faire une. Il y a des gens partout, là, genre il y a un mec ici là. En fait, à chaque fois il est renfort et je les tue pas. Par exemple, il y a des mecs là-bas. Genre à côté. Ah oui, je suis là. C'est vraiment con. Faudrait que j'aigue un peu. C'est, ça lui ressemble à des renforts, on dirait. Ah, bataille, ça. Ouais, sur la tête. On va aller détruire ce char là, il est grave. Hein. Et maintenant je sais comment les détruire, donc c'est cool. En fait, faut détruire le canonnier et le pilote. C'est bizarre ce trou là. Mais vas-y go. De toute façon j'en ai à l'infini des charges explosives. Pourquoi non. Puis c'est moins de passer de l'autre côté. Allez pète moi ça. Enfin, je recule parce que chaque fois je prends des dégâts alors que je suis loin. Voilà. Oh le char arrive en plus, c'est nice. Il arrive, il est là, il est là. Voilà. Ce qu'il faut faire c'est... Oh, bâtard, il m'a dit. Voilà. Je vais passer sur la lumière. Faudrait que j'arrive. Ah oui, il a fermé son cache, on dirait. Je lui ai pété quoi? Oh! Oh le bâtard! Il arrive! Vite, 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 vite! Et au moins il bouge plus, c'est cool. Il y a des mecs derrière, je crois qu'ils vont pas venir. C'est tout ça. Il y a des mecs partout. Ils sont un peu en dessus des mecs. Hein. Ok, ils arrivent.
ça, ils sont pas de carré. Point faible sur le char. Bon, après, je sais pas s'il reste des gens ou pas dedans. Quoi? J'attends qu'il meure parce que j'ai pas de munitions. Ah oui, ma mère, t'as pas qu'il détruit encore parce qu'il veut le détruire. Un peu. Merci. Non, je crois pas. En tout cas, j'ai vraiment besoin de munitions. Putain, mais. Il y en a combien qui arrivent là? Là, il y en a trop carré, bah c'est chiant. J'ai des renforts toutes les 20 secondes. Faut des murs. Là, il y en a, c'est cool. Oh, je sais même pas ce que c'est, les Jaggers, on dirait que c'est, ils sont plus durs à tuer. Non, c'est pas journée. Là. Ils sont chauds, ces bâtards. Frère, il y en a voilà combien, qui va me servir. Putain, mais c'est vraiment des bâtards à m'envoyer des mecs là. Regarde mes vies, putain. On m'envoie des gros. Ah putain, fin d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne. J'ai tué tous les mecs. Pas possible. Oh, j'ai tué tout le monde hein. Ou sinon ceux qui restent c'est ceux qui sont à la dernière mission. C'est le canon je sais pas quoi. J'ai tué tout le monde. Je prends encore une mission, j'en ai besoin. Là j'ai deux chargeurs. Ok. Donc il me manque plus que ça, j'ai fini. Mais bon, à mon avis, il y aura peut-être deux mecs, je sais pas. Après c'est désactivé le projecteur, on peut pas leur tirer dessus tout simplement. C'est quoi ça, perturbe? Ouais.
là-dessus. Ça fait rien. Le projecteur il est là, je peux pas le tirer dessus au projecteur. Et de 3. C'est plus rapide de faire ça. Ah, envoyer un. Ah bah oui, bah la radio je l'ai éclaté. Ah bah c'est la radio qui est. Donc Ah bah oui, parce qu'elle poste là, oui. Donc ça l'a pas même en tiré en dessus et tout, c'est pour ça. Porter un truc dans le soleil. Je vais pas ramasser lui. Je ne vois plus rien. C'est quoi? Ah ouais, donc la radio en fait, heureusement que ça l'a pas tué, ça l'a pas détruit. Mais j'ai tiré 2 balles dessus. Regarde. Il y a 2 traces de balles. Ah non, ils sont enlevés. Oh, what the fuck. Ok, d'accord. Il y a plus d'allemands là. Plus d'allemands dans un rond de 3 km. Oh bah, tout ça pour qu'ils bombardent. Le bain de les tuer, okay. Ah non, c'était. Ah bah oui, les projecteurs. Tout ça pour ça. 1h09, voilà. Donc, vas-y. Allez, on monte. Ok. Continuez, ok, c'est parti. Oh, y'a quoi? Y'a quoi? Oh, elle est gravée. Ah oui, c'est celle que j'ai ramassée. Ah ouais, elle est gravée en fait. Je la prends. Hein. Ah oui, en plus, elle est level 2. Ah ouais, en plus, y'a recul. Ouais, parce que j'ai fait que l'utiliser. Je la prends. Sniper est pas moyen d'avoir mieux. Ah si, nice. Plus de dégâts. Plus maximum. Ah, il y a elle aussi qui est bien. Bah, attends, en fait c'est la même à chaque fois, non? Moisson, Magnon, 91. Non, l'autre c'est le Carcano, ah ouais. Tac tac, alors que lui. Vas-y, je prends lui. Alors. Mission avec. Ah bon, je prends une maîtrise d'armes. Skin de. Ah ouais, c'est des expansions. Distance totale. Ah ouais, faut que je passe en tout 10 km. Ouais, 25 phrases explosives environnement tour. 10 tirs au foie, what? 10 double frag, what? Ah oui, c'est pour l'avoir en or. Enfin, ouais. Ok, bah c'est parti! Là. On va faire 20 minutes de cette mission. Et après, j'arrêterai, je ferai l'épisode 10. La mission à l'arsenal le prouve. La production du missile de Kessler doit battre son plein. Les pièces que j'ai trouvées ne pouvaient qu'y être destinées. D'accord, on a frappé fort. Mais combien de ces pièces ont déjà été acheminées à Alagra? Les nazis sont-ils capables de produire ce nouveau missile en grande série? Une chose est certaine. C'est la mafia qui a réussi le vol à l'arsenal. Un atout que l'OSS compte bien exploiter. Surtout quand on connaît le rôle de la mafia dans l'opération Husky, qui a permis aux alliés de prendre la Sicile. Weaver veut que je tue Salvatore Dinelli, un caïd notoire de la pègre. Il pense que je peux le convaincre de travailler avec les alliés et les partisans. Mais ce ne sera sûrement pas gratuit. Ok, bah c'est parti. On est où là? J'ai même pas lu où on allait. On est où? Waouh, waouh, c'est sa maison ça au gars. Y'a quoi mec ici? C'est ma maison aussi.
Moi, c'est mission. Ok. Faut aller là-haut. Ah oui, d'accord. C'est qui, lui? Mais c'est Dinelli, c'est le gars que je dois tuer. Non? Pas lui? Un Montenasca de 1913. Giorno felice. Signor Dinelli. Appelez-moi Salvatore, ça suffira. Bah oui, c'est le mec que je dois tuer. Ne sommes-nous pas amis? Nous avons les mêmes ennemis et nous voulons vous aider à les éliminer. Ça me plairait aussi, cher ami. Commencez par Piero Capo, le chef des Brigades Noires. Ah non, en fait, type est un barbare. Ah, tiens donc. Le monastère est rempli d'œuvres d'art, tableaux, sculptures, de très belles œuvres. Oh, attendez, je remets mon casque. Je sais de sources sûres que Capo a l'intention de les emporter ailleurs. Voilà. Pour les vendre? Évidemment. De tels trésors se vendent à prix d'or sur le marché noir. Si on savait comment il a l'intention de les déplacer, on pourrait intervenir. Bien sûr. Si nous voulons sceller notre amitié, il va falloir s'occuper des capots. Mais suis-je bien fait comprendre? Je vais mettre une balle dans les testicules. Oh, oui. On va bien rigoler. Très bien. Bien. Capo a sur lui un chapelet offert par sa mère. Il ne s'en sépare jamais. Apportez-le-moi. Et je saurai que vous avez fait ce qu'il faut. Ok. Et là, ça commence l'émission. Je peux pas mettre des trucs, voilà. Tu es pire au Capo. Alex, ok. On va encore parler à lui. Ah oui, c'est le mec là. Ces canons anti-char lamineront les alliés s'ils passent par ici. Ça te paraît probable? Ouais, c'est ce que pensent les Allemands. Là, c'est calme. Mais ça a tiré une bonne partie de la semaine. Ça peut reprendre à tout moment. Il faut les neutraliser, Karl. Je sais même pas si on est américain en fait, nous. Ah bah d'accord, la mission est vraiment là. Oh, j'ai cassé une tuile, je suis désolé. Oh, toute une cinématique juste pour un gars qui saute. Je dois m'occuper de quelqu'un. Juste pour un gars qui saute d'une autre zone. Putain, y'a déjà des mecs. C'est vraiment des bâtards de me mettre devant des mecs. Ah ouais. Perds pas de temps. Oh, mes mecs ils m'ont balancé en plein cœur. Oh merde. Bâtard, il a entendu des bruits. C'est chiant de pas avoir de silence sur une arme. Cool. Il est plus cher là, il est au bout de sa vie, on dirait. Pas dans le jeu. Qu'est-ce qu'il y a? Wouah, on dirait dormi toute la nuit là. Il y a un mec juste là. Juste là. Ennemi en recherche, nice. Il est mort. C'est stylé ça.
dégage avec ton sniper de merde. Quand il y a un petit truc comme ça, c'est qu'ils sont beaucoup plus blindés. Je suis vraiment une grosse merde. Non mais j'ai vidé deux chargeurs sur lui, j'ai plus de balles. Meurs. Ça pète les couilles. Ouais, il dit direct que tu mets une bombe. Tu vas voir. Putain. Qui sont les autres? Ils sont là. On avait déjà la moitié du village. Oh, bâtard. Il est bugué lui. Les couilles, l'autre qui tire. Putain, là, deux filles. Deuxième. Oh, connard. Pète les couilles. Putain, j'ai plus de balles de sniper aussi. On dirait que j'ai tout pris. Je suis pas bien alors. Que l'autre il sort du bâtiment là. Le gars il m'a suivi, en fait je sautais par la fenêtre, il a pas compris. Bah je vais foutre les missions et on va arrêter la vidéo là. Et après on va partir pour. En vrai, une vidéo de 25 minutes c'est pas. C'est bien aussi. C'est... Et après faut les mettre sur YouTube aussi. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment je fais, bah j'ai une clé et je copie les vidéos sur la clé. Mais en plus, quand elles sont trop longues, bah. Il n'y a pas assez de. Oh, ce que j'ai pris. Je pense qu'il ne m'aimait pas. Attends. Il est où ? Il est mal, hein. Il m'a mis une balle là. Ah, du coup, en vrai, je copie. Oh, c'est quoi ça ? Ça. C'est quoi cette mission là qui arrive sur moi là ? Ah, bah, c'est gratuit. S'il vient à moi, ne me dérange pas. Hein. Oh, c'est pas celui l'autre là qui est dans le. Il y en a, il m'a mis.
celle là-bas. Putain, mais il y a des bâtards dans le... dans le bois, là. Il est là, le bâtard. Ils sont camouflés dans les bois, ces bâtards. Poumon vide. What the fuck. Moi le bâtard qui tient là-bas. Oh, des bâtards, regarde, il campe là-bas là. Pour vie sur Fortnite MDR. C'est le gars qui a la radio. Distance 137 mètres. Putain, ils sont 137 mètres, ces bâtards. En fait, j'ai plus que ça va faire. Je vais continuer à chercher des trucs. C'est tout. Les codes d'un officiel. Un code de transmission radio. Très utile. Mais en effet. C'est quoi, il y a tout le temps bougé en plus. Il y a pas de veille à court en plus là-bas. Vas-y, on va faire ça parce que de toute façon faut que je passe le secondaire en premier. On va y aller de toute manière. Calmez là. Arrête de bouger. Faites le coup. Ah. Bâtard. Il a tenu en force, bâtard. Il a eu le temps d'appeler. Je perds pas. Tiens la tête. Putain, il y en a
fait. Ah, il part de là, là. Je peux pas juste mettre une mine, non? Voilà. Ils sont là. J'aurais pas dû la lancer. Oh le bâtard, je crois que j'étais mort. Bonne nuit. Putain, j'ai pas de vie. Le vas-y. Je vois même pas. Il a explosé. Ah non, il est en train d'attendre au calme. Ok. Ah oui, lui, c'est mon nom, il est là. What? Bah, on va s'arrêter là pour cet épisode.
Donc c'était Jérém TV, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, à mettre le pouce bleu. Bye.